Yopougon Figayo. Des habitants se plaignent de leur facture d'électricité. Par rapport au montant, ça a augmenté. Au fait, on payait 20 000, 19 000, maintenant on a 41 000, des fois même 50 000. Donc la vieille se plaignait. Courant là, des fois ça vient là, 40 000, des fois 38 000. Moi, c'est, les enfants aussi ne travaillent pas, donc j'ai vu qu'on dominait un peu son. Appel entendu, le gouvernement a décidé de contribuer à la réduction de la consommation d'électricité dans la commune en remplaçant les lampes à incandescence par des lampes plus économes en énergie. Les lampes basse consommation fournies par le programme sont de type fluorescent compact. Elles consomment 4 fois moins d'énergie, dont une durée de vie 10 fois plus longue que les lampes classiques dites à incandescence. Le coût total de la mise en œuvre de ce programme a été évalué à près de 11 milliards de francs CFA. Le déploiement du programme national de distribution de lampes basse consommation dans la commune de Yopougon vise à installer dans les 3 mois à venir gratuitement, et j'insiste et je dis bien gratuitement, chez près de 150 000 abonnés au service public de l'électricité des lampes basse consommation. À terme, ce sont environ 5 millions de lampes basse consommation qui seront distribuées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara, demande aux ménages de réserver un bon accueil aux agents chargés de la distribuer.